c'est la Jet Set. Sylvana Loren, c'est un personnage fantasque. Proche collaboratrice de Pierre Cardin, grâce à lui, elle a pu pénétrer dans le monde de la Jet Set. Pour lui, elle s'occupe d'une galerie d'art, c'est son dada. Elle est mondaine, elle est bavarde, elle fait partie de ces courtisans qui vivent dans le sillage de ce grand couturier. Elle nourrit pour lui une vraie passion, Pierre Cardin, c'est son idole. Avec lui, elle entretient des relations toutes platoniques. C'est un amour courtois, fait de mots doux, comme ce poème. Vertige vénitien, épousaille enchanteuse, nuit nacrée, et moi enivrée. Je vais mettre un petit seau. C'est un amour qu'il faut gagner. Donc voilà, il faut que j'imagine toujours ce que je peux trouver pour exister à ses yeux. Parce que quel est votre objectif, Sylvana ? Exister à ses yeux. On va chercher M. Cardin pour que je lui mette ici. J'arrive pas à la mettre. Grand prince. Oui. Yes. Vous êtes superbe. C'est Pierre Cardin qui m'a mis. Oui. C'est un petit bien, qui est important. Ah, alors, on va, je lirai ça dans l'intimité. Ah oui. Je ne vais pas lire ça en public. Ah, mieux, ça vaut mieux. Ça pourrait rougir encore une fois. Nous sommes à Venise, la ville des amoureux. Et pour quelques jours, Pierre Cardin a emmené avec lui Sylvana sur les bords du Grand Canal. C'est un privilège, il l'a invité dans son palais, le palais Bragadine. Une demeure privée qui sert de retraite aux grands couturiers. Un palais qui abrita un temps, dit-on, les liaisons sulfureuses d'un certain Casanova. Mais Sylvana n'est pas ici pour faire la Dolce Vita. Je suis là, je ne m'occupe de tout, monsieur Cardin, n'ayez crainte. Elle le suit partout. Là, on va y arriver à 10 heures. Hein. Pierre Cardin s'amuse de cette dévotion, de cette vénération. Remonter le Grand Canal dans un vaporetto à ses côtés, Sylvana en rêvait. On est obligé de rêver le soir quand on est, surtout si on est seul, à deux. Amoureux, c'est encore beaucoup mieux. On rêve à deux. C'est tout à fait mon cas. On rêve à deux. Je suis avec mon prince à Venise. Alors, c'est formidable, oui, c'est merveilleux, c'est vrai. C'est vrai. Pour vous, monsieur Cardin, c'est le prince de Venise? C'est le prince de mon cœur d'abord, et puis c'est le prince de Venise ensuite, oui. Je suis aux anges. Bien sûr, je suis aux anges. Je voudrais être nulle part ailleurs. Formidable. Donc plutôt que d'habiter à Liverpool ou habiter à, dans le nord de France, et puis d'habiter Venise, c'est quand même beaucoup mieux. Oh oui. C'est pas une ville minière. Mais je vous suivrai quand même à Liverpool. Hélas, pour Sylvana, ce séjour à Venise n'est pas un voyage de noces, c'est un voyage de travail. Car la Biennale de Venise est l'une des plus prestigieuses expositions d'art contemporain dans le monde. La Biennale, c'est aussi un rendez-vous mondain. Une succursale des salons parisiens. Monsieur Cardin, il est très demandé, là. Ah oui, quand il arrive, lui, c'est autre chose que quand j'arrive toute seule, vous voyez. C'est toutes les plus mondaines qui se jettent sur lui. Qu'est-ce que vous ressentez pour Monsieur Cardin? De la jalousie. Pour plaire à Pierre Cardin, il faut savoir le distraire. Can I introduce to you my friend Pierre Cardin? Hello. Ce sont mes amis, ils sont extraordinaires, n'est-ce pas? Eva et Adèle. Non, ça c'est Eva. Eva et Adèle. Ce personnage. Alors ça fait 20 ans que je les connais et 20 ans que je les vois. Toujours comme ça. Alors c'est le mari et c'est la femme. C'est le mari et la femme. Hein. Et c'est un couple hétérosexuel tout à fait normal. Ce Cardin préfère mon style. Oui. Je lui ai arraché un oui, hein, c'est génial. C'est elle qui le dit, de toute façon. Je veux pas me... Trop tard. Je ne veux, pas être contrarié, c'est elle qui le dit. Sagement, en amateur, ils vont visiter tous deux pendant une heure l'avant-garde de l'art contemporain, leur passion commune. C'est parfois un peu déroutant.
La visite à peine terminée, Pierre Cardin s'offre une fantaisie. Il a décidé de prendre les transports en commun. Le grand Vaporetto. Alors, écoutez, après, ça sert de sortir avec un milliardaire si on prend le Vaporetto. C'est quand même un comble. Bon, enfin, il va pas falloir le contrarier, on prend le Vaporetto. Mais où qu'il aille, elle est toujours à ses côtés. Vous faites courir, monsieur Cardin, là. Moi, je ne suis jamais fatiguée, j'ai une énergie folle. Mais monsieur Cardin, il me fait tomber, c'est un tombeur. Voir Venise avec Pierre Cardin, être admis dans son palais, il n'en faut pas plus au bonheur de Sylvana. Comment était la journée, Sylvana? Ah, mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas, je rêve, c'est un rêve vivant. C'était une journée à Venise comme beaucoup de gens rêveraient d'en passer une, je crois. Avec l'amour de sa vie, dans un palais, à Venise. Ça rend plus belle, hein? Tu dois être très très belle, là, en ce moment.